C'est une chanson porno pour non pas apprendre à faire les enfants, mais les théières. Elle voulait un enfant. Et moi, surtout pas. Moralité, devinez-la. Ma femme est enceinte d'une théière. C'est bien plus pratique qu'un enfant. Ça ne suit que sans sel. Comme le vin, ça sert, soit ça marche. Et je préfère son odeur largement. On avait pensé à la cafetière. Je ne tenais pas à faire d'histoire. Ça aurait jasé dans les chaumières. Si ma femme m'avait fait un petit noir. J'avais suggéré l'aspirateur, vu qu'il fallait qu'on en rachète un. Mais ma femme m'a dit sans garantie du constructeur. Il est mort dans 2 ans, merci bien. La vérité c'est que c'est du flan. On prend ce qui arrive, on choisit pas. Si on choisissait, personne ne ferait plus d'enfants. C'est beaucoup moins chiant un koala. Avant d'avoir atteint la trentaine, la trentaine d'années, pas trop jolie. Je pensais que quand je serais vieux, je voudrais des petits moi-même. Et bien, je viens de fêter mes 35 ans. Non. Mais ne soyons pas trop négatifs. Une théière prend moins de place qu'un paquebot. Et qui sait si au prochain un oubli de préservatif, je serai pas le père d'une assiette à bord. Le monde me semblerait harmonieux quand je verrai comme assiette et théière font de beaux enfants. Je pourrais plus que croire en Dieu. Moi qui me croyais encore à théière. J'anticipe un brin, nous n'y sommes pas. J'ai le temps de préparer les foules. D'amis qui veulent tous offrir quelque chose que j'ai pas. J'ai le thé, j'ai les feuilles, j'ai les boules. Faudrait jamais annoncer ces choses. Les amis s'efforcent de causer, puisqu'il faut bien qu'on cause. Puis ils enchaînent les questions, du genre, on connaît le sexe de la théière? Les théières de jardin ou de mobilhome. La chose vraiment importante, c'est ce que si on a un objet culinaire comme môme. S'il vous fait chier, vous pouvez toujours le vendre en brocante.